vous arrêtez pas de vous chamailler, papa vous laissera plus rester seul dans le char, OK? Ils te l'ont dit la dernière fois que t'attendrais plus. Arrête, Thomas, je vais pas rater l'avion! Nicolas? J'étais pas au téléphone. Tout le monde est attaché? Mathéo, pourquoi t'es pas attaché? Mais toi non plus, t'es pas attaché. Évidemment, on croit tous que nos pères sont exceptionnels, mais je vous l'assure, Philippe l'était vraiment. Il avait promis de venir une dernière fois avec nous, Rosine, à la maison. On va te donner un petit coup de main sur cette dernière promesse. On n'amène pas M. Crackpot. Est-ce que vous avez de la Mes plus sincères condoléances. Merci. Désolée, mais vous êtes exactement comme dans la pièce. William, j'ai adoré votre pièce. Vous avez un grand talent. Merci beaucoup. Mais depuis l'énorme succès de sa pièce de théâtre, tout le monde croit que je suis le pire des trous de cul. Sont où les cendres? Tendant dans la valise qu'on va récupérer demain. Nicolas a perdu papa. T'avais une affaire à penser. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Quelqu'un a pensé prévenir Liliane qui prépare la maison? Il y a du monde. Il y a du monde dans ma chambre. Il y a une famille de Roumains. Liliane? Qui sont ces gens? Il y a personne qui nous a prévenus. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ben, j'ai loué les chambres. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. C'est normal. C'est l'histoire d'une famille. C'est génial. Continue. C'est pas toi le chef de cette famille. Tu n'es qu'un opportuniste. J'ai fait le calcul de l'argent que tu nous dois. Non! Tu penses qu'ils nous ont un pantoule pour ça? On a surveillé leur maison. On n'est pas des criminels. Est-ce que ce testament représente les vraies valeurs de notre père? Il faut respecter sa volonté. Il était comme ça, papa. Tes regards, tes silences. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Papa a toujours dit que la famille, c'est notre plus grande richesse. On a toujours été bien fiers de penser qu'ils se sont échoués. Maxime, s'il te plaît. Oui, Maxime, viens où? Maxime! Pourquoi t'es essoufflé? Tu l'as perdu. Un peu. Tu pouvais pas en perdre un des tiens! T'en as quatre, tu connais à peine leur nom.